This is a city of the near future, planned by scientists and designers for the General Motors exhibit at the World's Fair in New York. They see a future where man will be making fuller use of the world's at present untapped resources. His predictions would sound so absurd, so far-fetched, that everybody would laugh him to scorn. This has proved to be true in the past, and it will undoubtedly be true, even more so, of the century to come. The only thing we can be sure of about the future is that it will be absolutely fantastic. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images. Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de production existant. Il n'est pas un supplément au monde réel, sa décoration surajoutée. Il est le cœur de l'irréalisme de la société réelle. Sous toutes ses formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissement, le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante. La séparation fait elle-même partie de l'unité du monde, de la praxis sociale globale qui s'est scindée en réalité et en image. La pratique sociale devant laquelle se pose le spectacle autonome est aussi la totalité réelle qui contient le spectacle. Mais la scission dans cette totalité la mutile au point de faire apparaître le spectacle comme son but. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Le spectacle se présente comme une énorme positivité, indiscutable et inaccessible. Il ne dit rien de plus que « ce qui apparaît est bon, ce qui est bon apparaît ». L'attitude qu'il exige par principe est cette acceptation passive qu'il a déjà en fait obtenue par sa manière d'apparaître sans réplique, par son monopole de l'apparence. But what about the city of the day after tomorrow, say the year 2000? I think it will be completely different. In fact, it may not even exist at all. Capitalism, mama.